Bébé, bébé, il fait jour. Ma femme va me tuer. C'est pas possible. Ma femme va me tuer aujourd'hui. Vas-y. Allô? Allô, Ibu, ça va? Ça va très bien, mon ami. Regarde, Ibu, je suis enterré comme ça. Pardon? Ibu, j'ai découché. Ah, mon ami, toi aussi, moi, je pensais que c'est un problème grave. Pourquoi toi aussi tu trompes ta femme, mon ami? Alors, je suis dans ce problème. C'est ce que tu vas faire? Il faut que tu m'aides. Tu viens me trouver. Tu m'envoies à la maison et comme ça, tu fais comme si j'ai passé la nuit avec vous. Vous m'avez gardé jusqu'au petit matin. Tu dis ça à ma femme, sinon elle va me tuer. Tu es où? Je suis derrière la maison des jeunes. Ah, mon ami, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas le travail d'un militaire. Travail des policiers. Mais néanmoins, j'ai un ami policier, je vais l'appeler. Tu veux l'attendre là-bas, il va venir te trouver là-bas tout de suite. Et vous faites ça vite, s'il te plaît. Fais ça très vite, vite, s'il te plaît. Ok, à tout à l'heure. Ah, ok, je t'attends. Merci. Oui, mon ami Ibo. Allô, mon ami officier Moïse. Vous allez bien? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va très bien. Que puis-je faire pour toi? Voilà, bon, j'ai un petit problème là. J'ai un ami qui est arrêté derrière la maison des jeunes. Il a découché. Il m'a appelé pour que je puisse l'aider, mais je lui ai dit que ce n'est pas le travail d'un militaire, que c'est le travail d'un policier. Mais je voudrais que je te communique son numéro. Tu vas l'appeler et tu le trouves là-bas. Ok, envoie-moi son numéro, je vais essayer de l'appeler. Ok, merci beaucoup, mon ami. Je te passe son numéro. Oui, allô, c'est qui? Oui, allô, c'est l'officier Moïse de la police. C'est de la part de ton ami Ibo. Oui, Dieu merci. Mon officier, où vous êtes? Oh, je suis derrière de la maison des jeunes, dans une voiture grise. Ok, je vous vois. Ah, ok, je vous vois aussi. Merci, Dieu merci. Ok. Il y a quelqu'un au salon? Oui, chérie, et c'est nous. Quoi? La police chez moi? Qu'est-ce que mon mari a fait? Non, non, c'est pas grave. Et je voulais juste rentrer à la maison. Il y a un motard qui est venu me renverser. Et comme ça, les policiers nous ont gardés jusqu'au petit matin. C'est pourquoi il est venu m'accompagner. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est juste pour l'accompagner à la maison. Vraiment, mille merci, monsieur l'officier. Attendez au moins que je vous donne quelque chose à boire. Merci. Tu es une bonne femme. Hein? Merci, vraiment. Oh là là. C'est pas possible. Tu es aujourd'hui. Vas-y. Qu'est-ce que tu ne vois pas? J'ai oublié mon bidou, c'est ma copine. Attendez, je vais l'appeler. Je voudrais juste faire un geste. Oh là là, je n'ai plus de crédit. Et, officier, vous pouvez appeler le numéro là pour moi? Avec plaisir. Merci. Appelle-moi le numéro. Le 622. Oui, 622. 3142. 3142. 66. Tu t'es pas trompé? Non, j'ai dit le 622 31 42 66. Où tu as laissé ton vélo? Et dans sa chambre. Dans sa chambre? Oui, sûrement sur le lit ou à terre.